Hello, good morning for you. Hello, how are you guys? How are you? Hello, how are you? Fait chaud. J'ai chaud. Hello, hello for you. How are you guys? Hello. How are you? How are you guys? How are you guys? Love you. Wait, mon, sorry. Sorry for me. Sorry. Il fait chaud, hein? Il est 14h. Je ne sais pas quelle heure il est là-bas, mais il est 14h. How are you, guys? Good morning for you. Wait, I'm so put my glass for the star. You know. Okay. How are you? Hello. Good morning for you. How are you guys? Good morning. Are you relate? Good morning for... Good evening for Paris. Good evening for Cameroon. Good morning for US. I'm Dallas. I'm Dallas. So, I do like to greet you, baby. To greet you. Hello, baby. Good morning for you. Good morning. I just wait. You come plenty before I speak. You know, say just now. Just now. When I do my life, I no speak on French because I'm not the France. I'm the US, so I speak for people where they live to US, to États-Unis. Now the team make on, I don't want to speak for French because me, I know the give my, I know the do for my grace for people where they live for Paris. With the Cameroon, I did speak for people within their country for long close time. Now so it did. So all the time I say people the vex say why that man for he did speak now that so English. Of course, because I'm there for America. But I don't hear me. Okay, just connect, just patter, just put the heart, le cœur, put heart, put your hand, put on a hand, put partage the life. drop me my enemy, partage the life for chasser my enemy, for chasser ténébreux. Put your hand, send them down, so send me le cœur, send me the cœur. I see some baby wait, what you call right now? Huh? I'm not care. Oh, good morning for you. So I don't get plenty time for stand for D life because I have plenty thing to do. Enzo chiffon, ma pima quoi? Ton français? Ya français with des bancalitos. You know for write French. For écrit piment, it pass you. If you write en pepe,
and basic of the carré. Don't ya? Wait, wait, don't I did block you? You don't ya me? See me some nonsense. Oh, good morning, my Nicole. Good morning, baby. So I did greet my Abe. Good morning for you. Big up. When I did do my life, so people go writing where you don't concern me. You don't count right for DSA. BP is there for Monaco with the gang. Me, I'm no care. This time is summer time. So you can write this one for my direct for Sika Petit. Big up my jolie program. I salute you. I salute Beck Babale. I salute Maxime Changa. I salute Céline Cass. I salute News Bien News. I salute Christine Gele. I salute you from Washington, D.C. I salute Francis Devray. I salute Marfo Flore. I salute Lily Mary. I salute Lily de la Tour. I salute you, Mama Lily, Mommy Lily of de la Tour. I salute Elizabeth Francine. I salute Audrey Carmel. So I salute Alice Nana for Cameroon. I salute you. I greet you, my dear. Emmanuel Grasse, I salute you. I salute. No, I greet. Ne parlons pas aussi le genre de pigeon de Mbangala. 7B, I greet you, my dear. Okay. I greet everybody when they see me now. I greet my first best friend for the Facebook, Mama Pepe. I greet my ex-husband for Facebook, my Warriors. So I want to send some message for Warriors. You know, say this now, I know they speak French again. So I will send some message for Warriors. If you don't understand, person go fit traduct for you. Okay? So, blogueuse d'état, na for your name for Facebook, Warriors Elizabeth Degremont, blogueuse d'état. So, I want to greet you. I want to tell you, say, today, say, I don't yet. I don't hear time where I don't hear now. Say don't get that body. That body for your husband. No. Father for your picking. You don't die. So I know say you and ye. You finish all the back like quelques de poisson. You don't hear. So because he get picking with you, he means say he go cry for sika ya picking where there for inside he has. If you are not forget, no be down Ibo way your sister can't stay your house, he can't arrache. I think say na he, I don't know. But I think say na down Ibo way be get him for Cameroon where he don't bring. You are causing for us for come clean your ass, you stay your ass after come thief your Oibo. My dear, no say na God. I did put water for inside your heart. May no cry small, may no cry plenty. Because you know, say don't face the veuve for France. He don't call them veuve again 2 times. Asia, oh. Asia. No, say I deal with you. Person will go congratulate you English for you anyhow. Just ask. Send me the tradition to you.
beaucoup, beaucoup de courage for you. You don't hear. So, courage. You know, say, thy body, cry. Cry, the enter all us. Yes, cry, the enter all us. Now, it you fait talk, 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 it you talk, 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 it you talk, talk, talk for your door. So, now, you don't talk, talk, talk for your moitié door because, you know, they will see again. So, no cry, no cry. I deal with you. Courage for you, okay? Courage for you. Okay, now, if you don't do the life, now for thank, now for thank you for my sister. Wait, don't bring me for Dallas. Yes. Now for ye, I want to say thank you, my sister. Thank you for put your sister for up, for soulever. Soulever, c'est quoi? For bring them up. Thank you. For the matter where he bring me from Houston, come Dallas. Thank you for your husband. May God, we don't cry down on the up. Put the hand for inside your house. He give you again benediction. Don't hear me, no, my sister. May God give you again power. For get the power for power. May God bless your house. May God put jinjim for inside your ass again. I don't sleep good. I thank you. Yes, I thank you because now good ass. Person if he get better ass, he enter day. You know if he sleep, eh? He just sleep for it in the night. He just turn down your, skin. He just turn down your skin. I want to tell you, say, I sleep good, fine. I don't want to wake up safe. Oh, bed. Oh, bed. American bed. It's too sweet. It's too big. I sleep so. I fear for the nurse. I feel fall for down. For sick, I say the big room, the big big bed. The big the bedroom, the big, it's too big, eh? It is sweet. I want to thank you, my sister. I sleep for the big bed, eh? Ooh, the bed too big. The plenge, the dry too sweet for ya. Ah, if he get, I too sleep good, eh? Because plenty pillow. Pillow, no? Pillow in the pillow. Oh, therefore, beaucoup de bed. Oh, I too big, happy. I to sleep good for inside your house. Nothing way I want to tell you. Okay, yesterday when I reached for the Dallas, I go do surprise for barbecue for Buddha for Bambutos. I go there, I go barbecue surprise. I reach there, I see all my vieux shirt for Abel. When then they did on yesterday, who to do the photo? Then too glad. Then followed me. I put them for inside my bag. When I don't hear. So I want to thank you
for all women where they work for this country. For here, they know they like France, so they know they like Europe, get the work. Yes, then the brass money. So I want thank you for all my abey where I see yesterday. All doctor where I see, engineer where I see. I want to greet again some people where sometimes they did there, but they don't care with me. Me too, I don't care with them. No problem. But me, I happy with my people where I don't see. Adam, I want salute particularity. Some. Django. Oh, I'm pigeon. Where? I want to thank you. Belle sœur. Belle sœur en pigeon, c'est quoi? Django. Ma Django. Django. I want to thank you, Django. Maman qui m'a dommage là. Où m'a oué des infos market de Nico? Les belles en anglais, c'est quoi? Un petit manjango. On dit quoi? Belles en anglais. Un petit. So I want to thank you, Chango, for the day young. On dit quoi? Ma dié. Quoi? Attends, je regarde. Je ne parle pas ça en français. Vous allez souffrir. Parce que aux États-Unis, normal. On a go souffrance. On a go wa. Ouais. On appelle Bessa en anglais. Que quoi? Wonderful, no. Hein? Sister la. Que quoi? Qui t'a écouté? A dit organiser barbecue avec. After he send me message back, je ne quitte pas sur l'autre sister. On appelle, il m'avait demandé. On appelle la belle sœur en anglais que quoi? Ma petite, les femmes sont où? Ouais. Ma Django. Ok. Tout ça c'est pour perdre le temps. C'est pour perdre le temps seulement. On appelle belle sœur en pigeon que quoi? Sister-in-law, in-law, I want to thank you for sister-in-law for the DJ Yango. On m'a aussi calculé. Because, he belle sœur, he sister-in-law, na big, big, gross abey on the wall. Les abeilles, regarde, tu peux dire, leur ma faux. Ça, c'est le vrai anglais. En pidgin, on vous demande le pidgin sister in love. C'est quoi? Tu crois que les gens ils vont comprendre? Ils vont comprendre. Sister in love for DJ Yango. Thank you, my dear. Thank you, my dear. So, I want sauter à commodity America. I know to speak French again. When I don't hear me, no. I know to speak French again. Sauter à go. I want to give my program. Yes. So I thank you for Sister Luck, for Dede Yango, woman for your brother, woman for your, I think say na your big brother no, other na your small brother, but woman for your big brother. At all. Wait, don't put me for before. Thank you, Gosabe. Oh, love you. I thank you for another people where I see they. Je demande le nom. Parce que les gens qui n'aiment pas qu'on donne le nom. Mais les gens aussi que, même, some people, they don't like where they give their name.
But some people, if they give the name, they don't care. Eh, hey. La dame qui a le grand salon de coiffure qui m'a paroté là. C'est ta femme qui? Ma BS. Bon. Je vais dire seulement, Agosto Soto Dengoya. Ok. I want to thank you for some woman. Wait, don't follow me. I don't forget your name. Be Nason Yaounde. Say the woman we don't be so for the Yango Nambo. Nambo. It come from Bo. Now you don't follow me. I want to thank you for the woman for Yaounde. Wait, get the same de bout de bout, non? Marie-Claire. Ah. Tanti Marie-Claire, oh, I thank you. For the farotage, wait, don't farot me. Thank you, Tanti Marie-Claire. Vraiment. A placa debout. Don't be say mbrakata. I thank you. He get big salon for Dallas. I thank you, my dear. Okay. So, I did Dallas. Tomorrow, I go another. Demain, je me repose encore. Tomorrow, I relit again. But after somebody, he called me to go and do surprise for a woman for Boston. So I passed Boston one day. I greet, I do surprise. Then after Boston, I go Washington DC. Now the time was sweet. So, I want to talk for one now. My dear, my abbe, my sympathizer, I want to thank you for Abel Mal, for the B, for B. Where they don't call on for reserve, then go call for New York, for con, c'est the barbecue. So, I want to thank all people when they call the number for reservation because thing we want to do, not before gagner the money, no. I don't organize this barbecue for the G7 for 2 o'clock. When I go get DJ, may when I put white clothes, blanc. I don't organize barbecue. For thank you for the support away when I the supporter me. Because you know easy, my dear. The supporter we when I the supporter me for when I house, for when I family, for the fat way when I the fat for sick on my head, for people where then they detest me, where they bad me. When I the good like a nasso, me when I call my enemy for say, all that my enemy went and they bad me. I beg me when I call them for say, come and see my mafo. Uh-huh. He go call. Now this time we get to call your enemy. My enemy for call see my heart. My life where they go like an avion they go. My life where they sweet say God don't say now my time. Nana, we go call all down tenebreux. All the people that they bahad me for inside tenebre. All the people where they bahad me, they don't know me. Then they pray, say me a die. Then they pray, say bad thing happen for me. I don't know them. Then they talk my name, say, G girl, they talk for Facebook. If you are the talk, now my work, no. Person there for your bureau. He go say the person to talk. Di ma time where you talk. He know thing where I go gagne. He know no. No con judge me. Because I no judge ya work where you work for your bureau. If you work for bureau, now your chance no. Leave me. I work for my bureau where I take my bureau na Facebook. I di assume. No be so. No be so. Okay. Now this time where you go move your écouteur.
The woman will love me. All the people will want to love me. Now, the town will not go put the couture for ya, me, oh. He go leave and send me a talk. People, yeah. He go open, he go say, ma, God don't bless my star. He go shoot and say, come see, I say, God, the blesser. Come see, I say, the travel. Come see, I say, the use the Kaolo. Come see, I say, the gagne money. Because na last time be time. If God don't talk, say, na ya time, na ya time. Person with the Baha, you no go fit. Borozang is asleep. You know what I call? Borozang, you know what I call police for come catch me. At the work, at the talk, say, I did for this time. He don't. Borozang, he don't wa. Na this time, we Borozang, he get for talk for me. No, the talk, he don't enter for. For bet for Amber Julie. He don't enter Amber Julie. Borozangi, this time when he go talk, I say, my life, you go. No, he don't fit talk. He go. He did quiet. I don't win them. Don't be so. I don't win all the Viero Coco. I don't win the matter. I don't win them. Then the team said they will put me for down. They don't see me at the work I with Jiju. When she all got the legend du village. Yes. They don't combat me so they don't tire. I be talk they say when I curry down the van. I be talk for all the ones say when I curry down the van. They know yeah, me then the sofa for my back. Then the sofa. Yes, then the sofa for my back. God don't call my name. I don't talk say present. Na so he did. My graduation na all the time. Graduation. Yes, I don't pass school for Facebook. Long time. What did they go talk again? I don't mad them because I didn't overoccupy. When I go finish, I go come. I go play telecommand. That's so it be. So my dear, my people. When I do say when I day Europe, man, when I know the stay like a people where they do for Occident. I don't put number, I say, man, when I call for reserve because it's private. When I know the call for reserve, I know, say, na last time when I go come, they don't say, ma for, no problem, any person will come, he go enter. Si ya un, pour une personne, il y aura pour tous. The barbecue. Na only $15 with Jean. With Jean. So you go fit eat meat like you want. You go fit drink anything. You go drink your beer. You go Jean na jus. Now, if you want to drink your whiskey, you put them for inside your back, you bring them, no problem. Limité à 70 personnes. Maximum 70 personnes. 70 personnes maximum. Don't be my hassle. Then just give me say, Mafo, do your thing. When I don't hear, so at the word when I now I won't come out. Go. I won't come out because if you are the upside, I don't get internet. Thank you for everything. Quitte à coûter. Viens avec ton, tes amis, non? Quand tu connais la pardon, il faut venir avec ton, tes amis. Je t'envoie le message tout de suite. Le flyer, pardon, envoie à notre gouvernement, là. Envoie à ta bande. Envoie à toute ta bande, là. Maintenant, alors que je parle anglais, quelqu'un me parle anglais. Je verrai mon programme du week-end. Je pourrai ajuster, surtout voir... Maman faux. Je vais flatter aussi mon chéri pour venir avec lui. Oh, baby girl. Flatter ya chéri, fin ya beko.
He go carry water, wash he leg, he foot for your sherry. Start today, talk good for you. You don't hear me, no. No turn your lodo for you. He go give him good, good. Thank you. Bisous. Tu, on va donner les noms. Je vais noter. Donc, je vais mettre aussi mon numéro. Oui, les réservations que tu as eues là, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de gens qui seront là directement. Ils vont venir directement. J'ai déjà contacté le DJ. Donc, c'est bon avec le DJ qui va animer. Il faut que ça soit quelque chose de chic. On va faire quelque chose de chic, quoi. C'est qu'il y a quelque chose qui reflète l'image de la mafo que je suis. Non, ça sera vraiment chic. Je demande la location de certaines chaises-là. On va louer certaines chaises-là. J'ai déjà confié qu'on me loue certaines chaises-là. Non, te dérange pas. Donc, je vous attends massivement au barbecue ce samedi 17 à l'adresse que j'ai mise sur le flyer. Vous avez tous les voitures ici, là, aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne dit pas qu'un endroit est loin. Parce que vous avez des grosses, grosses voitures. Et vous n'avez aucun problème avec le carburant. C'est vous qui arrachez les carburants dans tout le monde entier. Donc, vous n'avez pas le problème de ça. Donc, on va en joker à fond. Pardon, écris-moi sur mon numéro. Attends, j'écris à qui t'a écouté. Et t'as envoyé le c'est ton numéro de France. Je ne sais pas si tu as activé ta puce de la France. Attends, je t'envoie sur le numéro de France. Je t'envoie aussi sur le numéro américain. Donc, je vous attends au barbecue à 14h. C'est pour vous dire au revoir, hein, parce que je clôture ma tournée américaine à DC. Voilà, donc je vous attends nombreux samedi 17. Même si vous avez d'autres choses après, vous pouvez partir du barbecue pour continuer. Le barbecue commence à 14h, même à 13h, vous pouvez être là. Ça ne dérange pas. Chacun va brûler sa viande. Donc la mafo, c'est moi qui vais tout faire, c'est ça. Vous les femmes là, hein, les hommes là, chacun va mettre sa viande au feu. Non, il vous dérange. Je vais brûler. Ne vous dérangez pas, je vais faire. Chacun va brûler que sa viande. Voilà, donc depuis j'ai mis le numéro. Il y a l'adresse sur ça, c'est chez mon ami avocate là. Pardon, donne à toute ta bande là. Je vous attends. Njoka sera étagé pour le plus bon DJ de la ville. Oh, ma personne sur, pardon, balance dans notre gouvernement du Njoka. Là. Balance ça à tous tes amis. Là où, tes amis avec qui on est parti à... Comment on appelle? Times Square. Où c'est Times Square? Balance dans le gouvernement. Tu vas m'appeler, mettre un nombre de places. Bon, mes cœurs, je vous laisse. I will see. You know, the walk, I will try. I'll try. You have my name now. Yes, baby, I have your name. Yes, I get your name. Thank you. Ok, je vais envoyer un petit message à une... À Wansé, je vais lui parler en anglais. À la salotologue qui chante ou c'est quoi? L'ombra katala. Artiste sans caleçon. I not gonna leave you. Ton épisode, non? Il y a épisode de con. I go raconter your life. Non. You know, c'est dit, I don't get time. Artiste sans caleçon. You don't provoke me, non. Nobody provoke me. You don't provoke me.
I go répondre for you. Same if in a 3 year. Personne go tell me say no talk for the artiste sans caleçon. Artiste carteuse. I say you ma je t'envoie le message. Pour toi, je parle en français. Pour toi seulement. Artiste sans caleçon. Artiste mbrakata. Artiste des patates. Artiste plantain. Artiste quadruple sim. Artiste syphilis. Artiste MST. Na you. I no go leave you. You don't hear me. Demandez à l'artiste sans caleçon là que sa dame ici est partie où? Mais on a go assis. Demandez à l'artiste là que sa dame du devant est où? Demandez-lui, est-ce que vous avez la vie sourire? Dites-lui de sourire, on voit. Sadan est où? Kiki Zé avait arraché ça. Il a donné un coup de poing à doigt là. Kiki Zé a dosé. Elle a parlé. Demandez-lui où est passé Sadan du devant en haut. Que Sadan est où? Qu'elle vient nous raconter où est passé Sadan? Un petit garçon qui quisait la taper dans tout doigt là. La boxe partout. Racler partout. Et il allait épouser Samantha Foxoa, ta copine de la danse. Tu es où? Voilà Samantha Fox qui est dans le mariage avec Kikizé plus de 15 ans. On t'a arraché le gars propre. Tu supplies encore le Mbanzizi. Samantha Fox. Cette saleté est tout derrière ton mari pour supplier le Mbanzizi. Tu as compris? La seule chose là, de ta copine sans caleçon, arrache le portable de ton gars, tu vas voir. De ton mari, ce n'est pas ton gars. Arrache son téléphone, tu fais le code. Elle supplie le Mbanzizi, elle envoie ses sales, son sale couetou dans le téléphone d'un homme marié, Kikizé. Ils don't dose you for all douala. On m'appelle, on parle. Donc, alors si personne ne va me dire que ne parle pas, c'est sale chose. Dans Doti, mais on a go assisté. Ta dame, qui sa dame qui est devant est partie où? Elle n'a pas, on l'a dosé, on a arraché ça. Une femme que elle a fait son grimba, elle a fait le grimba. Sur mathématiques, l'a bastonné partout. Elle croyait que je vais vous raconter l'épisode où elle vit dans une maison avec un man. Ils sont dans un couple à trois, le blanc, le gars qu'elle a ramené du Cameroun, son CDI et elle-même. L'épisode là, je vais vous raconter cet épisode. Je vais vous raconter l'épisode de Kikizé. Il va entrer dans sa vie. De j'ai raté ma vie. Parce que celle-là, c'est une vraie j'ai raté ma vie. Elle chante quoi? Jusqu'à ce que... Hey, je t'envoie un message. Toi, la soeur de Junior. Junior Mobitan, c'est mon ami. Mais tu as partagé ce que la saleté l'a fait. C'est pas de ma faute si on a arraché ton gars. On a arraché propre. Tu étais incapable de garder un homme. Ma copine a pris. Tu m'en veux pourquoi? Tu vas partager où cette sale chose, cette salotologue chose, elle s'appelle même comment là? On m'a envoyé la capture de quand, comment tu as partagé? Yes, baby girl, I know you, non? I know you. Toi, la fille là,
Je ne veux pas entrer dans l'épisode de ta vie. Non, parce que moi, je ne veux pas avoir pimentier de Bénin. Moi, je ne veux pas avoir aux histoires, aux la pimenterie, aux pimentiers qui ont raté. Je ne veux pas. Vous êtes reconverti, vous travaillez déjà, c'est une bonne chose. Je ne veux pas de problème avec toi. Regardez comment le monde est méchant. Parce que moi, j'ai parlé à ta famille. Imbécile, tu as oublié que tu étais au deuil de ton frère? Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Les gens, Tatiana Kony, tu as dit que mettre à la dimension, tu ne m'as jamais vu partager où, quand tu as eu les problèmes avec compresseur. Pour le gars, je n'ai jamais partagé. Mais te voici, tu as partagé où cette sale chose au nez épaté a parlé de moi. Parce que, hein, avant d'entrer dans ta vie, comment t'as tapé au camion jusqu'à, tu as fait caca sur toi. Te voilà qui me cherche. Parce que Junior Mobitan, c'est mon ami. Depuis Lille. Tu te mêles de ce qui me concerne. Je vais me mêler de ta vie et je vais la détailler. Tu as compris? C'est pas de ma faute si on t'a pris l'homme. Tu étais incapable de t'asseoir pour préparer que l'homme mange. Il est parti chez ma copine. Elle le garde bien. Voilà. Tatiana Kony, je vais envoyer ta famille. Tu as partagé où cette salotologue de choses qu'on a tapé, arraché la dent. Quand tu as les points avec compresseur, tu m'as déjà vu partager une vidéo où compresseur t'insulte? Non. Je ne me mêle pas. Mais tu as partagé, tu as que Facebook s'est dimensionné raconter ta vie. Tu as compris? Je vais raconter ta vie. Vous êtes trop ingrate. Une personne qui sent les caca jusqu'aujourd'hui. Tu veux qu'elle vienne sur ta vie, Tatiana, ne t'amuse pas avec moi. Hein? Je te préviens. Parce que quand vous voyez souvent que les gens sont dans les problèmes avec les gens, tu vas partager ce que cette salotologue de choses a dit sur moi. Une fille qui m'a souhaité la mort. Elle écrit sur son mur que je suis morte, elle annonce la maman. Même pas, même avec la rigolade, tu ne peux pas te lever, tu annonces la mort de quelqu'un. Et puis vous dites que fait vous ça. Même si elle veut sortir une chanson bracata, c'est ma photo qu'elle ne va pas pour annoncer que je suis morte. Vous avez compris ça où? Je ne vais pas laisser comme ça. Toi, Tatiana Kony, au camion, quand tu fais la bordelerie, dans les brousses, les clients ont organisé avec tes copines. On t'a tapé jusqu'à te laisser pour morte, les Arabes, dans le camion au champ, en France. C'est moi qu'on a contacté. Parce qu'on croyait que tu étais morte pour te rechercher sur mon mur. Parce que tu avais disparu des jours. On ne te trouvait pas. On t'a agressé dans le champ de la pimenterie. On t'a laissé pour morte. Ta famille a pleuré. Ta tante, ta mère qui est en France, a pété les plombs. Toute ta famille pleurait. C'est moi qu'on a dit qu'il faut qu'on te cherche. Mais qu'on a raconté ton histoire, j'ai dit qu'on va couvrir. On ne va pas dire que c'est dans la pimenterie qu'on t'a tapé, t'es laissé pour d'ailleurs. J'ai dit à ta famille que non. On va la chercher autrement. Même les photos du camion où tu travailles, tu es devant la portière comme l'oiseau de nuit. Ça veut dire que tu es devant, tu as ouvert la portière de la voiture comme quelqu'un. Les Arabes t'ont tabassé. Tu veux qu'on vienne sur ta vie? Comment tu as chié sur toi? Tu partages où on m'insulte? Quand compresseur t'a pris le gars, oh, et le garde bien. Parce que arracher et garder. Mais il a arraché et perdre. Ne fais pas, ne me détourne pas. Moi, je vous dis, ne me détourne même pas pour mon attention, pardon. Moi, je ne veux pas voir. Tu sais, ta famille, c'est une famille que je respecte. Putain de bordel, mais on ne peut pas faire ça à quelqu'un. Il n'y a pas longtemps, tu as perdu ton frère. Je me suis brûlé les mains au feu. Je ne suis pas venu à ton nom. Je suis venu au nom de Junior. J'ai tourné les beignets. J'ai pris la route. Je suis venu au deuil. J'ai débarrassé. J'ai fait ceci. J'ai servi. Tu partages ou on m'insulte? Je vais mettre là où les Arabes t'ont tapassé, tu as chié sur toi. Tu es malade, toi? Mais attends, les gens se prennent même pour les qui ici à la fin. Mais putain, mais tu regardes comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de partager. Tu regardes, tu fais même le Congo, ça, tu rigoles, il n'y a pas de problème.
Mais tu ne partages pas ton mur Facebook. Je vais te traiter de la plus bonne manière. Tu as compris? Tu es malade, toi? Tu me partages où cette sale chose m'insulte? Je vais venir sur ta vie. Je m'en fiche. Vous êtes très... Tu sais, Tatiana Corny, tu sais, il y a des choses dans la vie, tu ne demandes pas de m'aimer. Mais il y a des choses, quand on voit, on ne se mêle pas. Tu peux faire au Congo ça, tu peux même jubiler avec d'autres personnes. Donc, tu es une ténébreuse. Je vais te traiter de la plus bonne manière. Vous ne connaissez pas Facebook. Tu es malade? Tu as pensé qu'on m'est souvenu au deuil il n'y a pas longtemps de ta famille? J'ai laissé des jours, j'ai laissé ma mère, j'ai laissé mon fils. Pas mon fils, j'ai laissé ma mère. J'ai pris la route pour venir là-bas. Tu es malade? Tu vas partager où on m'insulte? Tu vas partager où cette sale chienne parle de moi? Je vais mettre le camion quand t'as tabassé, tu as fait caca sur toi. Et je vais mettre où tu chutes. Mais, parce qu'on est en France, on n'aime pas parler la vie des gens. Quand je vais expliquer comment tu prends le départ, les stars, tu tapes le coup, tu es malade, tu veux qu'elle mette là où tu prends le ringuinguin pour pourchasser un homme, je vais venir sur ta vie, je vais laisser même celle-là, tu vas la remplacer. Tu vas remplacer la salotologue là. Je vais mettre ta vie. Imbécile au carré. Quand tu partais manger ce compresseur, il t'avait dit quoi? Quand tu partais manger là-bas, elle t'avait dit quoi? Tu peux manger tous les jours sur une femme comme toi avec un homme, maman. Je t'avais appelé, oui ou non, tu m'en veux pourquoi? Arracher et garder, non, pian. Et il y aura le mariage sur ça. Imbécile. Tu étais incapable, tu as eu combien de gars? C'est moi qui t'ai arraché, Thierry. Il a doté, il a fait ses imbéciles. Vous croyez que quand un homme vous donne la bouteille, parce qu'un homme t'a doté, elle, mieux même, hein? Même si tu donnes le milliard, aujourd'hui, il a la tête tranquille. Il y a des hommes qui, hein, ils préfèrent fuir une femme qui a même l'argent pour aller rester chez une pauvre quémandeuse comme ma copine. Au moins, s'il a la paix, on le respecte. Vous croyez que l'argent achète tout? Parce qu'une fille, elle est miette. Elle va traiter un homme n'importe comment parce qu'elle a les miettes. Il y a des hommes qui aiment la paix. Ils préfèrent sa paix dans la pauvreté. Ils travaillent. Tu ne peux pas garder l'homme. Oh putain, qu'est-ce qu'il est beau. Cet homme qu'on t'a arraché. Arraché, 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 arraché. Tu vois les filles bassa bien même. Arraché, arraché, arraché. Oh ma copine d'amour. Non, tu gardes bien le gars. C'est-à-dire que hein, je vais venir, j'oublie le bien sur ta vie. Maman Pépé. Mako, on dit que les filles arrachent ici dehors. Hein. Ma, tu as arraché, tu gardes, je suis avec toi. Arraché, arraché. Tu pouvais respecter un homme. Tu pouvais respecter Thierry comme ma copine. Quand elle fait le direct, dès qu'il vient, elle coupe. On l'appelle à 21h. Imbécile au carré. Tu restes avec un homme, tu es toi, tu peux commencer avec tes copines. Vous croyez que les hommes m'aient fiché la paix? Quand je vendais le piment, il mangeait tout mon argent. Et pourquoi il a laissé l'argent pour suivre une pauvre quémandeuse? Non, non, on va m'excuser. Hein. Les vieux bordels de Paris là pensent que, comme elles ont les miettes, elles vont parler aux hommes n'importe comment. Non. Il y a des hommes qui ont les. Ça dit que la fille était mieux. Hein. Tu pars avec ton milliard. Il reste là, on le respecte. Imbécile. Tu crois que c'est un porteur de sac? Ne sais-tu que c'était pas un vrai gars? Ça fait combien d'années ils sont ensemble? Je t'avais dit quoi? Je vais réussir ton histoire. Mes chers frères et sœurs. Ma copine, tu vas m'excuser, hein? Tu sais que tu vas m'excuser. Vous savez souvent comme quand tu es en guerre. J'étais en guerre avec ma copine. J'ai appris le fax que son gars n'a pas mangé là-bas. Hein? En tant qu'une grande sœur, je l'ai appelé cette saleté. Hein? Tu es pas, tu pouvais faire le régime, tu t'entretiens. Imbécile au carré. Je t'apprécie parce que tu as fait quelque chose pour tes parents, j'ai vu. Mais comme tu as partagé où la saleté se m'insulte, je vais t'insulter. Et je vais poster ta vie. C'est quoi?
Attends un peu, mais attendez, les gens réfléchissent même. Tu as pensé que ton frère est mort il n'y a pas longtemps. Je suis venue, j'ai brûlé mes mains. J'ai fait les beignets, je suis venue au deuil. Je suis restée avec vous, j'ai débarrassé. Je suis venue à la cuisine, j'ai fait ceci, j'ai travaillé. Tu as oublié? J'ai accompagné ton frère jusqu'à sa dernière demeure. La famille au Cameroun, ils ont suivi le deuil en direct sur ma page. Même ma main me faisait mal. Mais j'ai dit que la famille va pleurer ce deuil au Cameroun, que la maman là me pardonne. Ouais, maman, pardonne-moi, c'est que tu m'aimes beaucoup. Je ne voulais pas parler de ça, mais ça fait mal. Tatiana, c'est pas toi qui peux partager ou on m'insulte, je suis désolée. Je t'ai appelé un jour de ma vie. Hey, venez me ramasser. Le monde est méchant, maman. Moi qui suis partie t'accompagner ton frère, il n'y a même pas dernier demain. Aujourd'hui, tu partais ou on m'insulte. C'est parce que ce n'est même pas d'abord ton frère, c'était ton cousin. Donc l'autre, elle ne peut même pas lier avec. Parce que dans ta tête, cette famille te considère comme leur fille. Mais tu les considères comme la tante, comme les cousins. J'ai compris ça aujourd'hui. Parce que si tu avais de la considération que c'est ta famille, dont les pleurs que tu pleurais au deuil là, c'était les fausses pleurs. Si tu avais de la considération. Parce qu'il y a des choses, quelqu'un peut même t'énerver. Mais tu penses au bien que la personne t'a fait. Tu la boucles. Si tu avais un peu de jugeote, que tu penses que moi je n'apprécie pas Fleur de Lille, mais le fait qu'elle est venue accompagner mon frère jusqu'à la dernière demeure, c'est l'artiste là qui était là. Tu n'allais pas faire ça. Mais je suis blessée. Non, mais j'ai mal. Les gens peuvent me partager, je m'en fous. Mais toi, tu n'es pas quelqu'un de Facebook. Est-ce que tu as considéré l'importance de ça dans la vie? Participer chez quelqu'un, ce n'est pas forcément lui donner le milliard. J'étais présente. Pas pour toi, pour Junior. Parce que Junior Mobitan, c'est quelqu'un, un ami qui a un grand cœur. C'est pour lui que je suis venu. Et sa femme Sharon, pour toute cette famille. Mais toi, c'est parce que ce n'était pas ta vraie famille, c'était ton cousin. Si tu avais pensé que c'est ta famille, c'est que tu ne peux pas faire ça. Alors, comme ce n'est pas ta famille, je vais parler de ta vie. Ton épisode sera épisode. Jusqu'à. C'est-à-dire que je veux parler de ta vie. Tu vas partager où la sale chienne qui m'insulte. Tu vas partager où celle-ci. Ben non. Je vais vous expliquer. À l'époque, quand je suis en guerre avec ma copine, j'apprends qu'elle part toujours manger là-bas. Tu sais, quand tu es en guerre avec quelqu'un, et tu sais qu'il y a une personne dans la famille là qui avait ton ennemi. Tu vas tout faire pour leur prouver que l'autre n'est pas une bonne personne. Non, Bisso. Je reste, on m'informe qu'elle part toujours manger chez Compressor. Tous les jours. C'est comme ça que ma copine prépare, elle fait les tipérois. Le bongo, le coco. Connaissez comment les filles bassa préparent bien. Elle aligne. Elle met dans le frigo. Elle congèle l'autre pour le gars qu'elle dit soi-disant son gars. Tu pourrais t'occuper d'un homme. Tu n'as pas honte. C'est pour ça que les femmes sont, vous n'avez pas d'homme dans vos vies. On ne comprend pas que, mais celle-là, l'argent, elle n'a pas d'homme. Non. Parce que tu ne connais pas t'occuper. Tu préfères aller prendre chez une autre femme. C'est comme ça que ton gars partait toujours là-bas prendre la nourriture. Un jour, il est arrivé, il est resté. Il a consolé ma copine jusqu'à... Puisque ma copine était blessée de guerre avec mon père. Elle aussi ne voyait pas clair. Il était amer. Et c'est le seul qui le consolait toujours. Quand il venait prendre la nourriture, que c'est toi qui envoies. Quand il venait là prendre la nourriture, que c'est toi qui envoyais, d'aller chercher les tupérois. Pas que tu payes, parce que si tu achètes encore. Mais c'était le job. Tous les jours, le gars part. Et comme tu le prenais la tête là-bas chez toi. Il avait sa maison, tu avais ta maison, mais tu fais tout comme s'il habitait chez toi. Les gars, ne faites jamais le vieux, on reste chez une femme. Hein. Quand tu peux habiter chez une femme, aie toujours ta petite chambrette quelque part, que dès que ça rentre, quand j'ai tes choses, tu rentres chez toi. Ne laisse jamais ta là où tu es pas allé habiter chez une femme s'il n'y a pas ton nom dans le bail. C'est comme ça que les vieux bordels de Paris font. Au début, elle est gentille avec toi. Dès que tu viens habiter chez elle, elle se montre. Quand est-ce que tu allais laisser ta maison pour toujours?
elle te montre le voilà, tu commences à regretter. Dieu merci, le gars Yaoundé là, tu vas le pleurer toute la vie. Il avait toujours sa maison, mais comme c'est un père de famille, c'est quelqu'un qui est vraiment famille, il était toujours, il était avec elle. C'est elle qui l'a poussé dans les bras de ma copine. Hein. Quand le gars rentre, elle crie sur lui. Quelqu'un est parti à l'école, il rentre du travail, mais laisse-le se reposer. Tu commences à l'accuser, tu commences à l'accuser, tu commences à lui prendre la tête. Le gars commence à sortir, quand la fille lui prend la tête, hein, il commence à voir qu'il ne veut pas errer dans l'enganda. Ce n'est pas un gars qui boit dans l'enganda. Il pense que, ah, il y a même une copine là. Il passe s'asseoir là-bas, on prépare le mongo, il mange. Il s'assoit sur la chaise, même l'heure de premier arrive. Il est là. Ma copine lui dit que, papa, tu ne rentres pas. Il dit que non, j'attends encore un peu. Parce que, hein, dans sa tête, il pleure de la souffrance qu'il va aller souffrir là-bas quand il va rentrer. Donc, du coup, il était toujours là. Un jour, il arriva alors. Il est arrivé s'asseoir chez ma copine. Toujours pour manger, non? Puisqu'elle ne prépare pas. Tout son temps, c'est d'aller dans le camion vendre le piment au blanc. Même pour aller au camion, non? On s'organise. On prépare pour son homme avant d'aller. Parce que nous, les femmes africaines, n'oublions pas que nous sommes des femmes africaines. Occupons-nous de nos hommes. Même si on fait n'importe quoi dans la vie. C'est comme ça que son gars a commencé. C'est elle qui l'a envoyé là-bas. Oh. Ma copine n'a pas arraché le gars. Parce que les gens disent que compose. Elle n'a jamais arraché. Hein. C'est elle qui l'a envoyé là-bas. Elle l'a envoyé. Elle l'a envoyé. Un jour, il est arrivé. Hein. Comme quand il est arrivé chez ma copine, il sentait toujours les ondes positives, non? Et mon père était aussi en mer. Elle aussi, elle était là aussi. Vous savez, les blessés de guerre contre blessés de guerre. Elle aussi, c'est une grosse blessée de guerre. Le gars aussi, blessé de guerre. Deux blessés de guerre ensemble, maman. Quand il venait toujours, il s'asseyait. Ma copine a commencé à dire que celui-ci me console. Il est toujours le même là avec ma fille. Depuis que ma fille est née. Le gars, c'est toujours à côté. C'est lui qui le prend pour amener au parc. C'est lui qui amène l'enfance partout. Il demande si on a mangé. Il demande si on allait se balader. Il demande, entre-temps, mon père, son vrai gars faisait que les tours ont gâté. Prison pour prison, gata sur gata, la main sur main, main sur main. Ma copine a dit que hein, j'ai même un gars comme ça qui demande si ma fille a bien dormi. Hein. Qui peut même arriver sur Dieu faire le direct? Il dit que arrête de faire le direct quand l'enfant passe. Là, tu comprends que c'est un conteneur. Ma copine a ouvert les yeux que mais. Donc, j'ai le mari que Dieu m'a donné. Je cherche quoi les histoires de mère. Un gars est parti, mais qui calme ma mère, dis donc. Mon frère, je ne sais pas quoi. Dieu t'a déjà mis quelqu'un à côté de toi qui tous les jours il t'appelle. Est-ce que tu as mangé? Tu vas bien? Si elle est malade, c'est lui qui la compare à l'hôpital. Elle a dit que le Seigneur. Donc c'est ma paix, c'est que Dieu m'a envoyé. Mon frère, elle a commencé à disparaître un peu de Facebook. J'arrange ça propre. Elle a préparé la place. Elle a préparé jusqu'à ce que ça a cuit. Elle s'est assise, pian. Quand mon père rentre de mer, il veut faire un jar. Elle voulait encore jouer caché-caché en solo, deux blessés de guerre ensemble. Il ne faut pas qu'on nous. Après, elle a dit que chacun est venu ici ensemble. Meuf. La mer de quoi? Elle veut rester avec quelqu'un qui part en mer, quelqu'un qui s'en va pêcher les crevettes 6 mois. Dès qu'il rentre, il fait 2 jours. Il part encore pêcher le bar 3 mois. Après, elle a dit que. Hein, mieux reste avec celui qui est en liberté, même si il n'est rien. Jusqu'aujourd'hui, quand j'ai eu le fax du Congo, ça, Tatiana Kony, sois honnête, j'ai d'abord appelé, parce que quand il y a le Congo, ça, j'étais sûr du Congo, ça. Ce n'est pas que le pépépé. C'est un gars qui calculait aussi de sortir avec mon père. Qui sortait avec mon père dans la ville. Qui a lancé maintenant le Congo sans que ça vienne me trouver. Vous savez que hein, parfois les infos sont les gens qui sont autour de toi. Donc c'était quelqu'un qui voulait que je n'aie. Parce qu'il savait que je vais balancer. I don't feel keep down one. La personne a fait tout. Ça arrive dans mes oreilles, mais je n'ai pas voulu dire. J'ai dit que non. Parce que même comme j'étais en guerre avec elle, mais.
toujours eu de l'amour pour elle. J'ai dit que non, je ne balance pas sur Facebook. Le genre de Congo, ça sinon, pour que le gars sorte de là, je vais seulement contacter la famille. C'est comme ça que j'ai appelé la concernée elle-même, Tatiana Koni. J'ai demandé son numéro. Je l'ai appelé, je lui ai dit que bonjour. Comme elle me fait, vous savez que les gens qui font comme les what? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je dis, mais ça va? Oui, ça va. Oui, c'est Flo de Lille, l'ami de Junior. Oui, Flo, c'est comment, non? Je dis que ça va. Je dis que bon, je vais être honnête avec toi. Arrête d'aller manger chez Compressor. Parce que ton mari sort avec elle. Elle m'a dit, non, il ne faut pas dire les choses comme ça. Elle dit qu'ils sortent ensemble. Tu as compris? Donc, arrête d'aller manger là-bas. Qu'est-ce que tu fais là-bas tous les jours à manger? Tu ne peux pas préparer. C'est quoi? Tu es là-bas tous les jours, mais prépare pour ton mari. Je l'ai appelé, lui ai dit. Elle a dit, non, ce n'est pas vrai. Ils sont amis depuis Madagascar. Elle dit que Madagascar de quoi? Les deux là sortent ensemble correctement et bien. Oui? Elle m'a dit, mais non, non. J'ai dit que ne discute pas. Parce que c'est comme tu discutes là. Ne sois pas surpris que les deux là se marient un jour. Non, faut pas aller jusqu'à là. Faut pas dire les choses comme ça. Je sais que tu ne l'aimes pas. J'ai dit que oui. Je ne l'aime pas. Mais si on te dit comme une femme qu'elle, arrête d'aller manger là-bas. Oui, mais on dit que, mais pourquoi toi-même tu ne peux pas chercher la nourriture? Pourquoi tu envoies toujours, tous les jours, même si quelqu'un est gentil? Vous n'avez pas abusé de sa gentillesse. Mais non, ok, j'ai compris, mais je vais te rassurer, ce n'est pas vrai. J'ai dit, ok. Elle m'a dit que ce n'est pas vrai, elle dit que c'est vrai. Je ne vais pas parler ça sur Facebook. Parce que comme tu es l'ami, vous savez que quand ça concerne mes gens, je tourne toujours comme ça. J'ai dit que, hein, comme tu es l'ami, parce que c'est Junior qu'on connaît, ce n'est pas elle. J'ai dit que comme tu es la soeur de Junior, je n'ai pas envie de parler sur Facebook, parce que si je prends Junior, donc ce qu'on va faire, on va gérer ça en solo. Tu vas appeler ton gars, vous allez mettre le tricot. Je vais lui dire, oh, ce que je sais. Elle a dit, mais non, faut pas faire ça. J'ai dit que, ah, bon, hein, ok, il n'y a pas de problème. J'ai appelé Junior Mobitan, moi. Parce que j'ai dit que, hein, pour gâter le mariage là, ce n'est pas sur Facebook. Parce qu'il y a les mariages que si tu viens dire que tu veux gâter sur Facebook, tu arranges plutôt. Je lui ai dit que, hein, c'est Barba qu'on va arranger l'autre là. Ne pas plus là-bas, mets le veto à ton gars. Tu vas voir comment il va se comporter. Je lui ai dit que mets le veto que hein, s'il met encore les pieds là-bas. Elle dit non, je ne peux pas lui dire ça. Ce sont des amis d'enfants. J'ai dit qu'enfant, c'est. Hein. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai appelé sa famille. J'ai appelé Junior. Elle dit ma personne, tu sais qu'elle n'aime pas trop speak les way comme ça, non? Quand j'appelle Junior, il dit oh, comment tu vas? Il dit que ça va. Et quand Junior, je suis venu te balancer un Congosa, ta soeur que tu as là. Ngosa. Parce qu'elle parlait le Congo, Ngosa. J'appelle Junior, il dit que Ngosa a arraché. Ngosa. Je ne disais même pas Ngosa. Quand j'ai appelé Junior, j'ai dit que je. C'est comment que ça va? Il dit qu'un gringard, j'ai ton beau frère propre. Il dit qu'un gringard, il dit que non, mais. Il dit que mais tu parles de quoi? Il dit qu'un gringard, t'a pris ton beau frère. Je ne l'avais jamais vu. Moi, je ne le connaissais même pas. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Mais j'étais dans la famille pour dire qu'enlevez-le là-bas. Parce que. Je dis que l'autre aussi, hein. On ne parle pas à Facebook. J'ai dit à Junior que, Junior, invite-le à Lille. Je viens là-bas lui dire, en face, il fuit. Mais quand Junior s'est appris, quand j'ai dit à Junior, Junior a dit non, c'est quelqu'un que je respecte. Non, c'est vraiment, c'est moi. Après, il dit que je, tu sais que tu es un homme, non, tu ne peux pas accepter. Mais moi, je t'ai dit que Ngrenga a arraché, enlevons-le là-bas. Il me dit que, mais, non, non, il était ici l'autre, il dit que alors ça fait quoi? J'ai commencé à l'indiquer que tu sais, il était où là? J'ai dit qu'il était parti déposer ta soeur quelque part, non? Il est rentré dehors. J'ai dit à Junior que le jour qu'il a accompagné ta soeur, c'est où là?
Il est rentré dormir là-bas jusqu'au matin. J'étais concentrée sur ça jusqu'à imbécile. Le travail qu'elle fait sur toi pour enlever ton gars là-bas. Toi-même, tu as fait quoi comme travail? J'ai travaillé derrière pour gâter le mariage là. J'ai dit que, Junior dit, j'ai dit que, ils ont dormi, ils ont nia jusqu'au matin. J'ai dit à Junior que tu ne vois pas qu'elle ne fait plus tous les directs. Parce qu'elle est fatiguée. Le gars vit que là-bas maintenant, il habite là-bas. Junior dit que non, tu sais que, quand j'ai dit qu'un gringa, il ne comprenait pas. Il dit que tu parles avec qui? Il dit que mes gringalettes, non, Junior, c'est quoi? Tu peux. Il dit que mais la fille, tu m'insultes sur Facebook là. Il dit, ah, Ngossa. Il dit, Ngossa, il dit que. Ngossa a pris ton beau-frère propre. Il me dit que laisse ça. Et c'est que vous deux là, le cinéma qu'on fait sur Facebook. Il dit que Junior, j'étais là comme c'était ma famille. Il a dit que hein, ma personne, je veux qu'on la lève là-bas, mais je ne fais pas le direct. Parce que si tu fais le direct, ça va salir ta famille. Donc moi, j'étais seulement là pour prouver que l'angala va salir ta famille. J'ai dit que non, je ne fais pas le direct sur ça. Fais le tricot. Et c'est comme ça qu'il a appelé la fille, il a appelé sa famille. Il a appelé sa grande soeur. Oui. Il a appelé ses soeurs. Pour dire que voici une histoire que Fleur de Lis nous a racontée. Elle est en ligne. Ils m'ont même mis tricot. J'étais en train de. Non, j'étais avec lui hier. On a dit non, il ne peut pas faire ça. Il dit que bon, il ne peut pas faire ça. Ok, ça va alors, j'ai laissé. Comme j'ai battu, combattu derrière, ça n'a pas marché. Non, il ne peut pas faire ça. Et après, Junior me dit, mais il dit qu'il ne peut pas faire ça. Laissons alors. Et que Junior, tu laisses quoi quand on prend ton beau-frère? Après, il m'a dit que mon problème, c'est ça, c'est quoi? C'est son problème. Si elle ne veut pas gérer, elle n'a qu'à voir avec lui. Si elle le voit, elle le salue, on est tout bien. Après, il me dit que de toute façon, Gossa et moi, elle et moi, on n'a aucun problème. Il dit que, mais. Junior, une personne qui a pris ton beau-frère. Il dit que qu'est-ce qu'ils avaient entre les femmes? Il dit que mince. Quand ça a alors commencé à ham sur Facebook, est-ce que vous avez vu j'ai trop parlé? À Chouka Mongoli. Tu étais incapable. Maf, tu pleures quoi? Après lui là, tu as vu quel gars? Mon téléphone va s'éteindre. Tu as vu quel autre gars? Hein? Dis-moi un peu. Tu veux qu'elle parle ta vie, non? Quand tu as fini, dis-moi un peu. Regarde. Toi là, Tatiana. Voilà comment t'as arraché un homme. Quand je suis venue au deuil, je t'ai dit que ne mets plus trop la pression sur le gars. Comme ça, que quand un gars est parti avec une autre femme comme ça, pour qu'il revienne, ce n'est pas la guerre. Maintenant, tu dois travailler en silence et prouver que s'il revient vers toi, tu ne vas pas continuer à le pourchasser partout. Je t'ai dit ça, oui ou non. Vous êtes parti raconter que j'ai dit que, vous voyez un peu, je lui ai dit que quand un gars est à partir, la qualité de partir ici, là, pour qu'il revienne, tu dois que maintenant, faire doucement, lui montrer que tu n'es plus agressif. Parce que quand un gars est à partir sur une autre femme, ce n'est pas la guerre qui fait revient. Moi, si tu fais la guerre, il fuit encore plus. Je lui ai dit que le gars là, c'est un gars qui t'a beaucoup aimé. C'est vrai. Mais tu l'as fait trop de choses. Un gars que tu attrapes dans les carrefours en France. Un intellectuel, tu l'arrêtes dans les carrefours en France. Dans tous les Nganda. Quand tu le vois que pas, tu portes la bouteille. On a Yaoundé ici. Tu joues alors à la fille Yaoundé sauvage. J'étais conseillé que c'est vrai, il est là-bas. Mais tu peux tout récupérer ton gars si tu te comportes bien. Maman Pépé, excuse-moi. C'était pas pour qu'elle arrache encore. C'était pour la calmer. Tu sais que c'était pour que qu'elle le voit, elle ne gesticule pas. Quand il est arrivé au deuil, il a dit qu'il ne s'assoit pas là où elle est. Qu'il ne veut même pas lui parce que demain, je lui ai même dit que. Quand ton gars go déjà avec une autre femme, même s'il revient vers toi, tu dois faire la cachette. Tu dois maintenant jouer Njomba. Je lui ai dit que même si le gars là te, vient te revoir,
Il dit même qu'au Goenya, c'est go, mais ne dis pas, ne parle pas aux gens. Ce qui va encore fuir, je mens les gens. Non, quand on est Ndolé Mion de ma grande sœur chérie, excuse-moi, j'ai oublié de te souhaiter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire en retard, maman. Joyeux anniversaire, ma grande sœur chérie. Ma copine, ce que je dis là, c'est la vérité. Quand il arrive au deuil, il m'a dit qu'il ne veut même pas. Il était, lui, à son endroit là-bas. Il ne voulait pas, lui. J'ai servi les arachides. Je l'ai croisé à la cuisine. Elle a voulu m'agresser. Elle croit qu'elle fume le manga plus que moi. Oh, Tchara, toi et ta copine, vous avez pris mon mari. Je lui ai dit que non, ton mari va revenir. Il t'aime beaucoup. Tu vois, je suis une grande fille. Par politesse, à la cuisine. Maintenant, ils sont allés dire que j'ai dit qu'il va rentrer. Pour qu'un homme rentre, n'est-ce pas son comportement qui fait qu'il rentre? Hein? N'est-ce pas c'est ton comportement? Au deuil, à la cuisine, quand je suis venue prendre les choses, les arrachis pour servir aux gens. Elle m'a dit que oui, ta copine et toi, vous avez pris mon mari, tu allais faire les beignets. Comme j'avais fait les beignets chez ma copine, elle a dit qu'elle ne mange pas parce que j'ai fait frire là-bas. J'ai dit qu'elle ne mange pas, mais elle a bien mangé jusqu'à emballer l'autre. Et je lui ai conseillé que quand tu as un homme qui part déjà avec une personne que tu connais, quand on sait que les deux sont ensemble, tu n'as pas encore perdu. Tu peux encore récupérer en faisant quoi? En jouant maintenant le deuxième rôle de Njumba. En le voyant maintenant en cachet. Que quand il vient te voir, tu ne parles pas, tu ne parles, tu ne donnes plus de ces nouvelles à ta famille. Tu laisses que ça calque, il est go avec une autre. Mais tu travailles maintenant en solo. Tu prépares. Tu dis que viens manger. Il vient manger. Ne demande même pas la gnasse. Parce que ce qui est sûr, je lui ai dit que quand il te dit bonjour, ne commence pas à lui rappeler qu'il t'a laissé, il est parti avec une autre. C'est que tu es encore en train de le chasser. Ne parle pas de l'autre. Je lui ai dit que quand tu le vois, comporte-toi bien. Fais que quand tu le vois, bonjour, tu vas bien. Ça va, ta fille va bien, ça va. Ok, mais si tu passes ta route. Un autre jour, tu viens encore. C'est comment, si tu as le temps, tu peux passer à la maison et tout. Tu sais que c'est tout ta maison, tu peux passer. C'est qui suit, va d'abord te dire que non, il ne vient pas. Il va dire que non, je ne veux pas, tu veux me piéger. C'est comme ça que tu vas me piéger. Tu es venu tout gâter quand tu es venu parler de sa vie sur Facebook. Quand vous êtes venu maintenant parler, tu peux parler de compresseur. Mais tu parles de lui par rapport à quoi? Quand tu es venu parler de lui sur Facebook, c'est là où tu as dit qu'au revoir. Les hommes n'aiment pas ça. Quand tu es passé en direct, raconter les choses sur lui. Je t'avais dit au deuil que le gars là, il t'a accompagné dans les deuils de tes parents. Il t'a soutenu. Quand vous êtes avec les hommes, ne dis pas que c'est à qui est. Ne pensez pas que quand tu avais un homme passé, tu donnes les miettes, c'est ton gars que... Quand vous êtes avec les hommes, ne dites jamais que rien ne peut l'enlever. Parce qu'il y a les vieilles chouettes dehors qui calculent seulement qu'elle... Elle veut seulement celui qui va venir s'asseoir dans sa maison, elle prépare, il mange. Oui? Je t'ai conseillé au deuil que tu peux le... Que il t'aime. C'est quelqu'un qui t'a beaucoup aimé et qui a de la peine pour toi. Arrange-toi. Comporte-toi bien, ne parle plus son nom. Après lui, tu as été avec combien de gars? Tu es qu'elle parle ta vie du Luxembourg. Moi, je suis une marcheuse internationale. Je ne vais pas parler de ta vie là, mais je vais parler de ta sale vie. Tu as compris? Tu es incapable de garder un homme qu'une autre personne a pris. Je t'avais appelé pour te dire quoi? Comment tu peux avoir un homme dans la maison? Tu ne peux pas préparer, il mange. Tu peux tout ramasser les tipiroirs chez une autre femme. Mais il est arrivé, il a mangé, tu l'es calé. Ce n'est pas l'ongrimba. Garder un homme, c'est le comportement. Je suis désolée. C'est le comportement. Laissez-moi les conneries. Je suis belle que t'es. Je suis plus belle que t'es. On mange ça, hein? Les hommes veulent être avec une femme qui leur donne leur place. Le respect. Il y a des hommes qui sont fiers. Oui.
Ne fais pas, je détourne mon attention sur toi. Ne fais pas, je laisse, ne fais pas. Moi, je parle de toi parce que tu as partagé les choses, de ces sales choses qu'on a arrachées une dent devant. C'est pour ça. Ça m'a choqué de voir ça. Voici ça. Voilà ce que tu m'as envoyé. Voilà ça. Voilà ça. Je vais tourner la caméra. Parce que hein, je vais tourner la caméra. Je vais vous montrer. Parce que tu sais, quand on parle de quelque chose, voilà ça. Voilà Tatiana Corny. Voilà ce que tu as partagé. Voilà ça. Hein? Tu as partagé ça. Que Meta, c'est la dimension. Tu as vu? Toi, Tatiana Corny. Est-ce que c'est normal? Tu as partagé. Bon, tu veux que c'est connaître ta vie. Tu vas partager cette sale chose qui ne chante rien, qui a annoncé que je suis morte. Hey, c'est là 15h40. Ma, appelle-moi, non? Je mets une chanson là pour les ennemis. Pour tous ceux qui me détestent là, je mets une chanson d'un de mes frères là. Qui chante bien. Un musicien chant, un artiste de chant. C'est pour les ennemis. Ah, yeah, yeah, yeah. Oh, nous, hallo. Captura. Captura. Ouais, la connexion. Ok. Captura. Attendez. Pas un drame, tac. Un captera. Oh, captera. Oh, captera. Oh, captera. Le zouk en yemba. Oh, 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 captura. Oh, captura. Oh, yeah. Mm-mm. Mm-mm. Désormais, vous mettez mon sa yemba. Je vais chanter. Captura. 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 Oh, captura. Oh, captura. Oh, captura. Oh, captura. Mon tavenio. Mon camion. Captura. Oh, captura. J'ai aussi une annonce à vous faire. Je signe mon plus gros contrat du siècle. Ma plus grosse collaboration. À Paris, dans un hôtel chic. Ma plus grosse collaboration avec le cash.
C'est mon moment. Et je remercie Mira, la magne internationale. Parce que c'est elle qui m'a ouvert les portes là. Oui, je signe ma plus grosse collaboration à Paris dès mon retour. Je vous fais des gros bisous. Et je reviens sur la salotologue là. Ouais, Florica, tu reviens. La salotologue là, artiste sans caleçon. Est-ce que tu sais que le deuil du père de Samuel Eto'o, c'est en septembre? Tu n'as pas encore l'eau deuil. Moi, je serai là-bas au deuil. Je vais aller représenter les blogueuses. Après Los Angeles. Parce que je suis à Los Angeles du 1er au 3. Je suis à Los Angeles, en Californie, en septembre. Du 1er au 3 septembre, je suis à Los Angeles, en Californie. Hein? Après ça, il y a le deuil au Cameroun, le père de Samuel Eto'o. Hein? Tu pars pour le deuil. Moi, je serai au deuil. Une bande d'imbéciles, artistes MST. Vous savez qu'il y a des gens, ce sont les gens comme elles là, elles vont au deuil demander le transport. Oui. Je serai au deuil, je vais payer mon billet d'avion, je vais être au deuil. Oui. Je vais faire les parfums. Je vais faire les échantillons de parfums qu'elle va distribuer là-bas gratuitement. Toi, tu vas faire quoi pour enterrer le père de Samuel? Tu vas faire quoi? Dis-nous, qu'est-ce que tu vas faire pour le deuil du père de Samuel? Moi, je fabrique les parfums. Je vais apporter au moins 200 échantillons de parfums hommes avec l'hommage à son nom, au nom de son père. Je vais faire près de 200 à 300 échantillons. Que je vais amener au Cameroun, je vais partager au deuil, comme souvenir, on va poser sur les tables. Toi, artiste MST, tu vas faire quoi? Tu crois que comme tu es où c'est Bassa Yaoundé, tu seras plus privilégié au deuil que moi. Tu ne seras pas privilégié au deuil que moi. Parce qu'il va venir voir Samuel Eto'o pour demander le transport. Tu vas distribuer les préservatifs. Moi, je fais les parfums que je vais distribuer, les échantillons de parfums en hommage à son père. Ce que Flore de Lille va faire gratuitement comme souvenir. Toi, tu vas donner quoi? David Eto'o, c'est mon ami. Hein? Son frère, ce sont les grands là-bas. Mais le Watana Wata, c'est mon ami. Etienne Eto'o, bon, ce n'est pas mon ami, mais ce qui est sûr est que je serai au deuil, je serai plus privilégié que toi. Tu vas venir passer devant les gens sans caleçon. Les gens comme toi, non, on va mettre la barrière de sécurité. Parce que les gens comme toi vont venir faire la bordellerie au deuil. Oui. Toi, tu vas faire quoi au deuil, à l'enterrement du père de Samuel Eto'o? Tu vas faire quoi? Moi, j'apporte 300 parfums. Bon, on va dire si la famille est d'accord. Parce que bon, le pauvre aussi fait arriver là-bas, on dit que, hey, le pauvre aussi fait arriver là-bas, on dit qu'on ne veut pas. Hein? Mais ce sont mes intentions. Mon intention, c'est ça. Gratuit. Si elle ne vient pas derrière, si j'arrive là-bas, il ne me gère pas. La sœur du père de Samuel Eto'o, même la sœur de son papa, même père, même elle vit à Paris. Et je la connais. Elle peut venir m'asseoir dans sa maison du deuil. Donc, si j'arrive le jour du deuil, là où il y aura le grand neuf, il y aura que les ministres et les ceci là-bas, non, maman, je suis qui? Je vais aller chercher où il y a sa tante et m'asseoir là-bas, non. Est-ce que je suis une complexée? Ce qui est sûr que c'est au deuil. Disons que si on dit qu'on n'ouvre pas les portes aux gens comme nous, que non, c'est les invitations, est-ce qu'on invite les gens au deuil? Le deuil, est-ce qu'on a besoin d'invitation? Non. Donc moi, je vais aller au deuil. Si c'est qu'elle ne m'assoit pas là-bas, il y aura la maison de réception de David Eto'o. Ou bien ils vont mélanger. Je ne sais pas comment ça se passe chez eux. Mais c'est que chez nous, quand il y a un deuil comme ça, il peut avoir une réception publique. Après, chaque enfant reçoit ses amis à son endroit. Moi, j'aurais beaucoup de gens qui peuvent tourner. Je pars chez la petite soeur de sa mère, de son père.
dans son endroit de réception. Je pars dans l'endroit de réception de Mado Eto. Je la connaissais même pas si elle a vu. Je pars dans l'endroit de réception de tout. Je fais la tournée. Hein? Et je donne. Toi, tu vas donner quoi? Les salotologues MST comme vous là. Ce sont les gens comme vous là. Quand vous arrivez au deux, vous demandez le transport. Tu arrives au deux que quelqu'un pleure son père. Tu viens encore exposer tes problèmes. Je vais arriver en tant que chef d'entreprise avec les cartes de visite. Ta carte de visite, c'est écrit quoi dessus? Oui, parce que moi, je parle à faire. Je vais venir avec une carte de visite. J'ai fait le tour du monde. Je suis à Dallas à l'heure où je parle. Donc, quand les personnalités là parlent, qui ne me connaît pas au Cameroun? Mon actualité, c'est qu'elle sort des states. Elle a fait le tour du state. Je peux parler de ce que j'ai vu à Dallas. Ça va caler dans ton cerveau seulement que tu as vu Dynastique avec les Blake Carrington. Là où tu as vu à la télé, moi, je suis là-bas en vrai. Tu as compris, nos artistes MST. Distributeuse automatique de MST. Donc, moi, je vais être au deuil, je vais donner. Je n'ai pas. Je suis pauvre, non. Mais je suis fier. Mais vous serez là pour racler encore Samuel. Vous serez là pour dire que, ouais, je suis venu au deuil. Parce que beaucoup, comme vous l'avons fait la bordelerie, ou bien vous partez quémander. Quelqu'un arrive au deuil, commence encore à quémander. Vous croyez que Samuel n'a pas de problème? On vous a tant donné, vous avez fait quoi avec? Imbécile, moi, c'est que. Nous, on peut prononcer son nom. J'étais au Qatar, soutenir les lions indomptés. J'ai payé mon billet d'avion. J'ai payé mon hôtel. Bon, c'est vrai que ça coûtait 1700 euros l'hôtel, la nuitée. C'est pas moi qui ai payé. C'est une personne qui m'a payé mon endroit. Je vivais à Dubaï et j'étais au Qatar. J'ai dormi deux jours là-bas, une nuit, 1700 euros. J'ai payé mon billet à au Qatar. Vous soutenez le Cameroun en quoi? Donc, quand moi, je joue à San Diego, samedi, j'étais invité. Pas invité, parce que quand on dit invité, vous allez directement appeler le 9. Flaude a dit, est-ce que c'est lui? J'ai beaucoup de connaissances qui sont dans les staffs là. Même le jour que je suis allé à la Coupe du Monde, je suis allé à l'hôtel des joueurs, prendre mon billet. Est-ce que j'ai dit que je vais voir Samuel? Non. Pourquoi? Est-ce que c'est lui le chercher? Il y a beaucoup derrière des gens qui veulent le voir. Donc, je le laisse tranquille voir ces gens-là. Je sais que ce n'est pas notre niveau là-bas, même que le bonjour. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un de très sympa. Mais je n'aime pas. Non, je suis allé à l'hôtel des jours. J'ai pris les billets. Je suis ressorti, je suis parti. Au Qatar. Donc, toi, tu vas aller au deuil quémander. Les gens qui vont au deuil demander encore qu'on les paye pour venir au deuil. C'est du jamais vu. Je vais aller jusqu'à aller au village. Même si toi, tu pars, tu vas caler à Douala. Tu vas faire comment? Tu vas faire le pep. Tu vas faire comment pour arriver au village là-bas, chez les Bassa là-bas? Je vais arriver dans le village des Bassa, je vais aller à l'eau bois de l'eau, je vais te montrer que tu dépasses. Imbécile au carré. Tu as compris? Je m'assois avec les bonbons parce que c'est ma faute. Je bois le vin avec eux. Toi, tu seras où? Moi, je m'adapte partout. Imbécile au carré. Je te laisse pour aujourd'hui. Tatiana a pris ta place. Rendez-vous encore le jour que je vais faire le direct. J'ai parti en Gambé jusqu'à dans le village. Quand les gens vont danser, tu vas faroter. Une pauvre fille comme toi, tu auras quoi? Vous savez que le jour du deuil, il y a souvent le feu, non? Les gens dansent là, leur danse là, qu'on danse comme ça. Et faroter même sans colo. Et changer les mimes, il verse dessus. Vous allez attendre que c'est Samuel Eto'o qui vient faroter. Vous faites quoi au deuil? Si quelqu'un doit aller taper le tantôt de rentrer avoir encore faim, ça sert à quoi d'avoir les personnalités dans le deuil, soi-disant les artistes qui viennent encore se chercher. C'est Samuel qui a payé ton transport. Imbécile, tu vas aller arracher le porte-monnaie de David. Oui, si tu es une femme, non, va au deuil à Gambé. Tu connais seulement être fort aux fesses. Soi-disant, je vais raconter ta vie et ça ne chauffe pas. Oui. Léango, je serai en Gambé. On va la taper là-bas.
C'est mes tantes seulement. Hein. On la tape là-bas en gambé propre. On lui montre que. Ouais, je vous laisse, non. Ouais, on a des trucs à faire. Hein. Je suis en train d'aller faire les trucs. Bon, bisous, non. Alors, je vais vous dire quand je vais me reposer aujourd'hui. Et puis, bah, on m'attend. Bisous.